dans un moment difficile, un moment où les Ivoiriens, chacun, a peur de pouvoir dire quelque chose, de pouvoir se prononcer. Parce que se prononcer, quand je dis prononcer, prononcer le nom d'un leader, Gueto Bafri Sow, ça fait trembler. Par moments, les gens sont obligés de se cacher. Et c'est pour ça que j'ai quitté Kumasi, venir soutenir mon frère, venir soutenir un aîné. Il est important pour nous, partout où nous passons, nous devions installer, nous devions expliquer la bonne marche, la bonne conduite que Guillaume Soro veut apporter à la Côte d'Ivoire. Les présidents n'ont qu'à regarder ce que le footballeur a fait. S'ils ont dit qu'ils sont le fils du footballeur. Avant, Babou était en exil. Il a appelé, il a fait le conseil avec lui. Il s'est présenté. Il a fait tout avec Babou. Aujourd'hui, Babou est devenu président. Jusqu'à il est parti en exil, il est fini. Pour que le pays soit en paix, ils ont fait venir tout le monde. Guillaume Soro et Dekoudé, tout et tous n'ont qu'à venir. Pour que le pays passe en paix. Oui, avec lui, nous croyons à la réconciliation. Aujourd'hui, ce qui nous a été donné de constater, c'est que nous avons demandé à ce que nos bases viennent, que nous entretenons, que nous fassions donc le bilan de notre union après 3 années d'existence. Nous saluons donc la mobilisation de ce matin. Et les débats ont été enrichissants. Nous avons constaté que nos frères, nos militants sont toujours mobilisés et avec pour socle donc la réconciliation. C'est le lieu donc de lancer ici pour nous un appel pour dire nous voulons la paix. Oui, les Ivoiriens veulent une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous croyons à la réconciliation et au travers de ces rencontres, nous avons perçu que les Ivoiriens véritablement ont besoin de la réconciliation. Elle doit être inclusive. Aucun enfant de ce pays, enfin, du reste, est des enfants qui ont véritablement marqué leur génération, qui véritablement comptent dans la sphère politique ivoirienne, ne doivent rester en marge de cette réconciliation. Guillaume Soro doit revenir au pays afin d'apporter son édification à cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire ensemble. Guillaume Soro doit venir avant le 23 décembre, ce n'est pas un défi. Pour la paix, il n'y a pas de défi. Pour la paix, tout est possible. Et c'est pour cela que nous continuons de lancer, de faire ce plaidoyer en tant que démocrate ivoirien, de faire ce plaidoyer au gouvernement, au président de la République. Vous avez tendu la main au président Bédié. Vous avez tendu la main au président Laurent Gbagbo. Il faut tendre la main au président Guillaume Kibafori Soro, votre ancien premier ministre, votre ancien président de l'Assemblée nationale, pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire sans aucune compromission, afin que ensemble nous puissions fumer le calumet de la paix. C'est ce que les Ivoiriens attendent.